Donc voilà, c'est à peu près comme ça que sont traités les manifestants. Vous avez vu l'égalité qui avait lieu là à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait tous les CRS qui étaient autour, un CRS protégé, etc., face à un jeune homme au sol qui se prenait donc des coups de matraque. Probablement qu'au sol, allongé et plaqué contre un pylône, il était extrêmement dangereux pour l'ensemble du groupe qui était autour de lui. Évidemment, quand on parle de la violence policière, on a toujours une idée d'exagération. Les choses ne sont pas très concrètes. On a plein d'exemples. Vous avez vu plein d'images dans les médias ces derniers temps. On peut essayer constamment de remonter et de redonner encore un peu plus de détails. Il y a d'autres sujets qui vont venir un peu plus tard dans la soirée, qui vont vous montrer que les CRS ne visent pas spécifiquement dans les jambes ou ne sont pas protecteurs, enfin en tout cas ne font pas ça d'une manière sécurisée, mais quelquefois de manière extrêmement dangereuse. Yul. Donc Yul fait partie de la logistique. Tu vas peut-être tourner, hein, tu vas peut-être aller sur d'autres commissions, non? Ouais, pour le moment je suis à la logistique, mais on verra. Voilà, donc ça se passe bien. Un petit point sur les besoins de la logistique hier ici. Tu nous aides très régulièrement à monter notre tente, à la démonter quelquefois à la nuit, à minuit. Voilà. T'es un des membres assez actifs et toujours présent et toujours prêt à nous rendre service. Et donc, mais tu fais partie de la lutte et tu vas manifester comme beaucoup de personnes ici. Et tu es parti manifester aujourd'hui? Ouais, je suis parti du coup jusqu'à Nation. Et alors, moi, tel que je te connais, j'ai plutôt la sensation que t'es quelqu'un de calme. T'es pas trop violent. Non. Et pourtant, tu t'es pris un truc dans la tronche. Enfin, pas dans la tronche, mais. Bah, en fait. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y avait un type un peu du coup sur la périphérie de la zone où vraiment voilà, il y avait des flics qui chargeaient toutes les 5 minutes dans tous les sens, un peu n'importe comment. D'ailleurs, plusieurs fois, ils se sont fait avoir parce qu'ils chargeaient bizarrement. Ils se sont fait renasser après, enfin bref. Et du coup, j'étais peut-être à 15 mètres du cordon de flics qui barre les rues, là où ils chopent les mecs et qui les embarquent après. Donc là, on parle de rues... C'est les rues qui partent de Nation. D'accord. Donc tu étais sur la place de la Nation. Ouais. D'accord. Et donc j'étais à côté, et là je vois un type qui, bon, il provoquait verbalement les CRS, mais juste verbalement. Et là, il s'approche de lui, il lui fout des coups de matraque, il le fout au sol. Et une fois qu'il était au sol, il le frappe un peu, il le chope, ils étaient quatre, donc un par chaque membre. Et il le traîne comme ça, le cul par terre, jusque pour qu'il se fasse embarquer, en fait, jusqu'au camion derrière le cordon de CRS. Et moi, j'étais à 3 mètres et je dis juste, putain, mais les gars, portez-le dignement. Là, juste. Et là, je me reçois une balayette d'un CRS par derrière. Ouais. Et ils me sont tombés dessus à 3, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Enfin, ils m'ont frappé au visage, ils m'ont pas frappé. Ils ont pas avec leurs gants, leurs phalanges et tout, donc j'ai pas des marques. Mais donc j'étais un peu sonné là dans le truc. Et je me suis dit, j'ai vraiment rien fait. Si j'ai rien fait, qu'ils peuvent me faire ça, vraiment ils peuvent me faire tout. Donc sur le coup, j'ai vraiment flippé. Et en fait, il y a un type, et d'ailleurs, s'il écoute la radio, j'aimerais bien le retrouver, qui passe à la logistique, à la télé, pardon. Excuse-moi. J'aimerais bien qu'il passe à la logistique, qu'il vienne me voir et que je le remercie vraiment, parce qu'en fait, du coup, j'étais au milieu de ces CRS qui me traînaient pour m'embarquer aussi. Mmh. Et le type a sauté, en fait, il les a surpris, ils s'y attendaient pas, et il m'a chopé, en fait, il m'a sorti du truc. C'était peut-être un flic? Un flic qui m'a sorti de... Bah ça peut arriver, tu sais, il y a 3-4 mecs qui sont excités et puis... Non mais là justement, il y avait 3 CRS qui m'embarquaient et il y a un mec qui m'a sauvé, qui m'a sorti des mains des CRS. Ah oui, d'accord, ok. Et je pense pas que c'est... Je pense vraiment que... Bon, moi je pars du principe qu'il y a quelques brebis galeuses chez les CRS et que globalement, il peut y avoir des flics qui sont... qui respectent la dignité humaine, quoi. Ah oui, bah peut-être, mais bah peut-être. Oui, mais en tout cas, là, clairement, les 3 CRS qui sont tombés dessus, c'était pas clair. Ils sont tombés dessus, non, c'est clair. Et du coup, il me sort. Là, je me dis, ah putain, j'étais un peu choqué. Je me dis, bon, c'est bon, c'est calmé, donc je vais prendre une petite pause. Du coup, je retrouve Mohamed de la logistique, je l'appelle. Il dit, ouais, t'es un endroit calme, vas-y, je te rejoins. J'ai un peu sonné. Et je m'assois avec lui, donc
Et en, je sais pas, en moins d'une minute, je lui ai montré du doigt, j'étais de dos, il y avait un mouvement de foule parce que les CRS chargeaient, je sais pas pour quelle raison. Et à ce moment-là, en fait, ils ont jeté une grenade dispersante. Enfin, moi, je savais pas, on va dire, après que c'était une grenade dispersante. Mmh. Et du coup, j'ai senti un coup là et je suis parti en courant, en me protégeant le torse. Et je m'assois, je savais pas ce que c'était. Et du coup, je regarde et en fait, je saignais sur le torse. Là, du coup, j'ai. D'accord. Là, c'est le deuxième pansement parce que le premier était trop rouge. Ouais. Et ouais, du coup. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra. Ouais. Enfin, bref. En gros, un pansement avec du sang. Voilà. Et en gros, ce qu'ils tirent, eux, sur leur grenade dispersante, c'est des trucs comme ça. On a fait des petits porte-clés à la logistique. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai la marque du périmètre en déchiré sur la peau, quoi. D'accord. Et ça me semblait assez dingue que j'étais calmement avec mon mec en train de discuter. Et ça aurait pu, ça aurait pu arriver dans l'œil. Si j'avais fait 1m75, ce serait arrivé dans l'œil. Ouais. Ils m'ont pas visé, c'est une grenade. Qui est lancé et en fait bon vous pouvez pas voir d'ici sur la caméra mais il y a un petit bétonneau derrière qui est enfoncé dans la coque en métal et quand ça pète c'est exactement le même principe que les grenades sauf qu'au lieu que ce soit des bouts de métal c'est des bouts de caoutchouc qui partent comme ça mais malgré le fait que ce soit du caoutchouc ça fait saigner et j'ai encore mal et quand les médics d'ailleurs que je remercie beaucoup qui sont intervenus mais genre tout de suite vraiment je me suis assis j'ai regardé mon truc ça saignait il y a deux médics qui sont arrivés une très bonne équipe de franchement médic, boulot de dingue. Merci beaucoup. Et ils sont arrivés et ils m'ont dit putain quand même et tout. Et ils m'ont emmené dans un coin pour vérifier que j'avais pas une côte cassée. Donc de se dire à ce point-là que les, je pense apparemment j'ai pas de côte cassée, c'est tant mieux. mais à ce moment-là vraiment, ils me disent ça aurait pu me casser une côte. J'étais en train de discuter avec un pote dans un endroit calme, ça aurait pu me péter une côte. Ça, c'est quand même complètement dingue. Et bref, enfin, bon, voilà. C'est assez hallucinant d'être traité de cette manière-là, je suis d'accord avec toi. On a du mal à réaliser qu'on est en train de manifester pour nos droits. C'est un droit constitutionnel et on se fait très largement plus que provoquer. De toute façon, je suis quasiment certain, puisque quand il y a de la casse, les CRS n'interviennent pas. Ils interviennent uniquement quand eux sont attaqués. C'était mon premier sujet ici. S'ils n'avaient pas été là... Il n'y aurait pas eu de problème avec les CRS, ça paraît logique parce que voilà, quand t'es pas là, t'es... Hein. Ouais. Mais il n'y aurait pas eu plus de casques le long de la manif, de la casse assez raisonnable. Ils sont là et ils provoquent. Enfin, ils provoquent. Le fait d'être là provoque. Ouais. C'est exactement quand je dérive un petit peu, mais... Hein, quand on a défilé du coup Nuit Debout et entre Nuit Debout et la CGT, il y a eu un cordon de fil de 4 personnes de CRS. Armées jusqu'aux dents, SO de la des services d'ordre, d'ordre de la CGT. Ouais. Ils disent qu'ils sont armés comme ça parce qu'ils se sont fait réprimer, qu'ils se sont fait attaquer par les manifestants. Mais en fait, les manifestants n'ont pas envie d'entrer dans le cordon de la CRS. Ouais. C'est simplement que dans le cordon de la CGT. Donc t'as la CGT, t'as les manifestants devant. Tout se passe bien. Tu dresses un mur entre les deux, ça fout les boules, vraiment. Ouais. Tu comprends pas pourquoi il y a ça et du coup t'as envie de casser le mur. C'est juste pas de la vraiment ça, quoi. Provocation. C'est vraiment quand tu vois ça, ça te fout profondément les boules. C'est comme quand t'arrives à Nation et t'as plus de CRS que de manifestants au moment où t'es là sur la place. Tu fais mais pourquoi? Enfin, évidemment que ça va péter si vous êtes là en train de faire le show. Merci beaucoup Yul. De toute façon, on va montrer encore d'autres extraits pour montrer que ça se passe vraiment pas aussi comme veulent bien nous raconter les médias, c'est-à-dire qu'il y a une provocation de la part de jeunes cagoulés casseurs et que voilà, et les choses sont un peu plus compliquées et un peu plus machiavélique que ça quand même. Une minute. Du coup, je veux remercier vraiment l'équipe Medic Street et remercier le type qui m'a sorti de... Enfin, juste avant que j'aurais pu me faire embarquer, qui m'a tiré du bras des CRS. Et vraiment, je le remercie, s'il veut venir me voir à la logistique pour que je le remercie. Franchement, j'aimerais bien. Voilà. Merci à toi. Je crois qu'on va enchaîner direct sur le JT. Bonjour Nathalie.